C'est l'exolété, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo pour faire le troisième, on va dire, mini braquage d'émission sur de l'agence. Alors, j'avais fait déjà les deux premiers en vidéo, donc là, on est dans les contrats VIP. J'avais fait déjà les deux premiers en vidéo. Voilà, donc là, c'est parti pour le troisième. Alors, ça fuite à. Voilà, ok. Enquêter sur le signal de détecter Anavis, ok, confirmé. Sa fuite à South Central, enquêter sur le signal de données détecté par Davis et retrouver la copie de la musique volée de Todru. Et alors, et là, si je comprends bien, là j'en ai fait deux sur les trois et j'aurai 1 million de dollars en finissant le troisième, je crois. Donc là, c'est parti pour le The début de last la lock we troisième have mission. on this copy is over in Davis, like 5 minutes from where I grew up. No place like home, right? Franklin's got some contacts that might help. Ah c'est cool parce que c'est. Ouais, elle dit en plus que c'est là où est-ce qu'elle a grandi avec Franklin aussi d'ailleurs, donc c'est cool, du coup bah voilà. On peut entendre du Eminem en fond, ce qui est vraiment vraiment stylé. Voilà. Ça fait partie des nouvelles musiques rajoutées sur GTA le 15 et franchement, enfin le 15 décembre. Et franchement c'est stylé de pouvoir écouter du Eminem quoi dans GTA, enfin c'est vraiment un truc de ouf je trouve. Voilà donc du coup c'est parti. Everything okay? Alors. Sortir en véhicule. Non, c'est pas là qu'il faut aller, tu sais quoi? Je vais vers ça directement avec le mec de l'accueil. Alors. Ça bug ou. Ça fait un, on est, ah, ça fait un bruit. Mais y'a rien qui s'affiche. Bon, ça, on appelle ça un petit bug, ça arrive. Alors, je vais prendre celle de d'habitude. Je prends toujours celle-là, vous connaissez maintenant dans les vidéos en ce moment. Je prends toujours celle-là. Parce qu'il faut dire qu'elle est vraiment. Pas mal comme voiture, hein. Une belle berline haut de gamme Bentley, genre voilà, c'est en plus l'une de mes marques préférées dans la vraie vie, Bentley, du coup bah voilà. Donc c'est parti du coup pour la mission. Alors temps de chargement toujours un petit peu, voilà. Alors à part que je l'ai changé de couleur entre temps, vous avez pu remarquer que je l'ai changé de couleur. Elle était beige et je l'ai mise, enfin elle était crème et je l'ai mise en grise, voilà, elle est très belle comme ça aussi, qu'est-ce qu'ils font ça. Alors. Ok. Bon bah ça a l'air bien. Ça a l'air pas mal, mais c'est dommage qu'il pleuve, qu'il n'y ait pas un beau soleil. Le soleil est typique de Los Angeles, là, le beau temps, bon c'est dommage mais c'est pas grave. Monter dans le cavalcade. Ok, on va mettre on va la garer gentiment ici. Ah stylé, on monte avec un mec, un contact, le contact de Franklin dans son petit SUV de. Oh, oh magnifique, regarde, écoutez la bonne musique là. Ah bon. Ah c'est quoi, c'est. Est-ce que c'est du Eminem? Ah non, apparemment non, on dirait du Eminem. Si... Attends, ah non, je confonds avec. Bref. Bon voilà. Mais oui, mais pourtant c'était bien la voix d'Eminem que j'ai entendu tout à l'heure, donc je sais pas. Bref. Voilà. Ça ira. Oui, parce que je sais pas si vous êtes étonné de voir que j'ai que 7 radios ou 8, enfin bref. Si vous êtes étonné de voir que j'ai que ça comme radio, c'est normal, hein, c'est dans les paramètres du jeu, on peut. Avec le pavé tactile, on peut enlever des radios, donc c'est ce que j'ai fait. Voilà. Ah, stylé quand même. Comme véhicule, c'est pas trop dégueu, ça va. Interrompez le deal. Oh. Juste comment? Attends. Comment on fait? Ah ok, ah c'est stylé, oui. Oui. Stylé. Ah oui, j'ai compris le. Ah ouais, c'est stylé ça. Par contre, c'est quoi le véhicule? Vous voyez le véhicule? Là, le véhicule. Ah oui, c'est le véhicule du DLC. C'est le véhicule du DLC, c'est vrai. On dirait que j'ai pas la vidéo auto sur ce mec là-bas. C'est chiant. Ah si c'est bon, ah bah c'est bon.
Voilà. Non, il n'y a pas de méchant ici, c'est bon. Non, il est encore un tout seul là-bas. À mon avis, il est pas en bonne santé, si, je sais pas. Ouais, le matériel de mettre carrément. Putain, ils ont des caisses de gangsters, tu vois. Là, la primo, la petite custom et tout. Enfin, c'est vraiment des caisses de gangsters, c'est stylé. Ah, il y a une porte qui est pétée. Ah, les cartons. Allez hop. Ah d'accord, c'est les Lost. Ah ouais, ça dégonne pas, c'est les Lost hein, quoi. Ils sont tous morts en plus, ils sont nuls. Oh, on va... Hein? Ok, ah, il est avec moi, j'avais pas vu. Ah cool. Bon, du coup, c'est parti. Attends, la petite porte... Bon. C'est facile de leur échapper, n'empêche, non? Bon, puis je crois qu'il est... Il est où? Voilà, je les ai fait tomber de leur moto, hop. Voilà, bah là on est bien, on va leur échapper, normalement. Il y a toujours un là qui... Voilà, touché. Alors, normalement c'est bientôt fini la mission déjà. Alors à moins qu'une deuxième étape après, je sais pas, échapper au Lost. Ce qui est pas mal, c'est que dans l'émission de gang, il n'y a pas la... J'allais dire, il n'y a pas la police, mais voilà. Bon, ok. Ok. Bon, on a les flics maintenant, mais apparemment, ils ne demandent pas d'échapper à la police pour l'instant. C'est une bonne chose. Voilà. Voilà, c'est bien. Faut tourner dans la police et nous rattrape. Non, c'est bon. Bah, c'est bien, ils ont des spawns. Bah c'est parfait. La musique, elle est bien en plus. Voilà, au passage. Mais je crois qu'on a fini. On a réussi à... Bah non, toujours pas gagné. Ils sont encore 4 motos derrière nous. Ils sont encore 4. Putain, ils font 5 ans qu'ils nous rattrapent. Bah, c'est bon. C'est mais les flics. Ils arrêtent de nous procéder de nous pourchasser. Et les lames, ils nous tirent pas dessus. Il prend le feu rouge. C'est bon. Là, on va livrer ça au point de livraison. Dans même pas 2 km, ça devrait aller. C'est... Bon, c'est peut-être un petit peu long avec ce genre de véhicule, mais c'est pas grave. C'est comme ça. On fait ça pour la thune. Allez. Ah, stylé. Trop bien. Et le compteur est futuriste. Et rétro-futuriste, le compteur. Oula. Et, ah là, mais... Il force pour tourner en plus. Ah ouais. Donc là... 1 km, ça va le faire. Un cargo bob posé en plein milieu de la route. C'est tout à fait normal. Ok. Sinon j'aurais pu acheter aussi ce QG là, cette agence là, qui était à vendre aussi, bref. Voilà. J'ai hésité à prendre celle-là mais je n'ai pris une autre. Oh, voilà. Mais mon immeuble il est mieux parce qu'il est plus haut. Celui que j'ai pris c'est un immeuble plus haut et plus fin, alors que là c'est un truc plus bas. Presque arrivé. Point de livraison. Pourquoi pas. Oh, le scooter il a failli se prendre un camion quoi. Non, c'était pas là. Voilà, bon, du coup, en tout cas, c'est déjà fini pour cette petite mission. Apparemment, ils ont eu peur, évidemment. Voilà. Oula, il y a un truc invisible, tu vois, il y a un truc invisible qui bloque. Ouais, c'est bizarre. Bon, bref, c'est des bugs de GTA. C'est. Sachant que GTA Online commence à être un peu trop lourd pour les versions PS4 et Xbox One, bah. Pas étonnant que ça bug un peu quand même. Enfin bref, et du coup on se retrouve pour la suite, pour la mission suivante. Donc on se retrouve dans la suite de la vidéo pour la deuxième mission. Alors ça a été assez rapide, donc c'est parfait. J'ai pas attendu trop longtemps et donc on va voir un petit peu ce que ça va être. Alors. Ok, back to Davis. Our family's contact has a lead on the ballas. Franklin's gonna call when you're on the way. I'd be ready for this to get messy. Là. Ça va partir en cacahuète. C'est parti.
Voilà. Ah, plus c'est la nuit que ça va se passer, c'est pas mal. Ouais, pourquoi pas. La nuit, ça peut être bien. Alors, c'est parti. On va voir ce que ça va être, hein. Enfin, apparemment, ça va être un peu chaud, apparemment. Mais ça va être marrant. C'est parti. Alors, je commande la petite caisse habituelle. Voilà. C'est parfait. C'est quand même plus rapide de faire ça, comme ça, je le sors directement. Enfin, c'est cool. Voilà. Et ça bug toujours un petit peu, hein. Voilà, hop. Normalement, du coup, faut aller vers le quartier là. Hey, so Vernon came back with a lead. He say the ones that got this copy of Dre's phone fuck with the ball. Les balas, ouais, les balas, c'est. Like a dumbass move even for Attends, je me trompe pas de côté là, but non? It's all we got right now. Hey, so go meet with Vernon and see what he got. Ah non, c'est là, je pensais que ça serait dans le quartier des gangs, mais non. D'accord. C'est dans le centre-ville. D'habitude, je vais faire un détour pour rien en fait. Ah, bref. Bon, alors vous pouvez voir que ça lag beaucoup, hein. Le jeu, les FPS, ils sont très très bas, ça lag un peu, c'est chiant. Bref. Ah ouais, c'est très 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 chiant par contre, là oui. On est presque arrivé. Là, ça va un petit peu mieux là, mais ça reste moyen. Ah bah oui, on revient comme tout à l'heure avec le mec là. Je prends ma voiture blindée et armée pour rien quoi. Voilà, c'est très gentil quoi. Bon, allez, on va se dépêcher, nous dites de se dépêcher. Salut, tu aimes conduire, non? Ah ouais, d'accord, tranquille. Et là, normalement. Et là, on va vers le quartier du sud de la ville. Voilà. Un type appelé P, un caïd des balas, oula. Ah ouais, d'accord, donc c'est un. Ouais. Stylé. Son véhicule custom un peu, c'est stylé avec ses petites jantes et tout vite teintées. Vraiment le véhicule un peu de gangster. Enfin, c'est intéressant que Rockstar il pense à ce genre de détails, c'est cool, je trouve. Voilà. Enfin, adapter un petit peu la voiture au personnage, quoi. Est-ce que c'est un hasard ou pas qu'il y a la police? C'est stylé, moi je trouve. Ah, d'accord, c'est. Ok. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Ok. voilà, c'est. On l'avait dit de toute façon que ça allait partir en cacahuète, il l'avait dit. Donc, bah, c'est le cas. Non, mais attends, attends, à peine je spawn, ça me canarde. Deux secondes. Pas les lags, ça bug, c'est tellement pas fluide du tout. C'est. Voilà. Ok, bon, ça va encore, on a pas tant que ça. On va avoir cette arme de merde là. Voilà, hop, on va prendre cette arme là. Ah non, c'est pas celle-là qu'il fallait prendre. Voilà, c'est elle. Voilà. Aider à défendre les familles. Stylé quand même, on va aider un gang et tout, c'est quand même stylé les gangs et tout, enfin voilà. Enfin dans la vraie vie un peu moins, mais dans le jeu vidéo c'est sympa. C'est ça que je voulais dire, dans la vraie vie c'est pas ouf, hein, c'est sûr. Genre à ne pas reproduire chez soi, hein, c'est sûr. Allez hop, toi tu viens là. Toi tu viens là. Il y en a un qui me fait mal, il y en a un qui me fait beaucoup. Je vais mourir, c'est sûr, je vais mourir, il y en a plein qui spawn d'un coup. C'était sûr que j'allais mourir, voilà. Voilà. Puis il y a les flics qui se ramènent. Ah ouais, 3 étoiles, ça y est. Ouf, j'ai eu de la chance. Oui, sauf qu'il y a la police, peut-être les tue quand même, allez. En même temps, voilà, ils l'ont un peu cherché. Voilà, suivez Vernon. Je vais ramasser un petit peu de thune au passage, pourquoi pas. De quoi, oui, bah vite. Il attend, je sais pas pourquoi il était accroupi à attendre. Bon,
Peut-être qu'il était blessé ou je sais pas quoi. Et la police, on s'en fout, la police, tout va bien. Ah, ça y est, je rentre. Pff, parfait. Ok. Donc, petit temps de chargement habituel. Ah, il se cachait là. Oh, le gros chef des mafieux et tout. Some cross-eyed OCB motherfucker, I might like you, but you ought to know this shit. There's lines you don't cross. What lines? The fuck is this about? The fuck you think? Dre? The phone? Where it is the buck stops with you? That bullshit? I heard about all that and ain't got nothing to do with us. Burn it. I swear. You gotta give me something to tell you word, Pete. But Dre? Of course, it's Vaco. That's who got it. Some punk looking for clout, blasting tracks all over the project out some logo. HLM. Immeuble loyer modéré. Voilà. Ok. Bon, apparemment, voilà, c'est fini. Ça y est. Voilà. C'est déjà fini. Donc vraiment c'était vraiment des petites mises en préparation, franchement très facile on va dire quand même. Voilà, quitter la zone, j'ai presque quitté la zone mais je vais commander ma bête clé. Ce sera plus simple pour partir. C'est bon, faut qu'il y ait quelqu'un mais ou, je sais pas mais... Bref, allez, je prends ma petite voiture et je m'en vais de la zone. Alors on va voir un petit peu bah... Comment ça va se passer? Ok. C'est bientôt bon. Voilà. Voilà. Parfait. Donc on se retrouve bah, pour le braquage, enfin la mission principale. Enfin où on peut placer une sorte de mini braquage, enfin bref. Oh, cette fois c'est la mission principale. Donc c'est parti. Alors du coup j'avais fait les deux premières missions en mode libre et là c'est parti pour bah, la troisième coup qui est en voilà qui est en mission comme une sorte de braquage on va dire. Enfin, du coup c'est pas en mode libre. Du coup c'est parti. Voilà, on va devoir récupérer la copie de la musique. Ouais, ok, c'est les magos qui l'ont. Ok, voilà. Et je vais lancer en solo, ce sera plus simple on va dire, voilà. Comme ça je m'embête pas. Et comme ça après je débloquerai enfin les missions dans le studio d'enregistrement. Voilà. Alors. C'est toujours un petit peu long. En général. Ouais. Bon, on a le petit arrière-plan flou. On peut voir... Enfin, je trouve que c'est grave beau comme endroit, en fait. C'est un très bel endroit. Donc c'est pas mal. Et ça y est, c'est parti. Ok. Ok, ok. Et là, je prends ma magnifique Ben Clay, qui est vraiment magnifique. Voilà. Je vous laisse écouter un petit peu ce qu'il dit. Les mêmes personnes que les missions de réparation. On va rejoindre les mêmes personnes, je crois, et puis c'est parti. Ça y est. C'est parti. Ils sont en Range Rover, tiens. Alors je me demande si c'est pas le nouveau Range Rover qui va sortir sur GTA, parce que
Faut savoir que Rockstar, avec la mise à jour de Contra, vont sortir un nouveau Range Rover dans les prochains jours, pour ceux qui ne savaient pas. Et je ne sais pas si c'est les anciens ou les nouveaux, c'est quasiment... Merde, j'ai mis une minute, c'est pas exprès. Que c'est quasiment les mêmes en fait, c'est quasiment les mêmes au niveau du design, donc c'est un peu dommage qu'ils ont mettre un nouveau Range Rover pour finalement que ce soit pareil que les autres. Bref. Ouais, pas mal. C'est stylé quand même, la cinématique est pas mal. Ah ouais. Et là on y va, là, on y va. Attends, lui, il va me saouler, lui. Voilà. Il n'a plus. Attends, lui aussi, là, il va m'énerver. Là. Et il... Attends, faut que je... Ah, mais il m'énerve, lui, là. Attends, on peut pas faire. On veut bien me vivre dans le... Il est mort, je crois, ça y est. Et voilà. Il est mort, et il y en a un là-bas. Attends, il est... Oh là là, il y en a encore plein qui arrivent. Ah, je l'ai eu. Ah bah... Il est où, Nara? Il est caché. Lui, il est là. Comme le encore une fois, il y a un Range Rover blanc, mais est-ce que c'est l'ancien ou les nouveaux? C'est difficile de voir la différence, parce que c'est quasiment les mêmes, donc c'est un peu dommage. C'est un peu con, d'ailleurs. Bon. Et je crois que la voiture jaune au fond, faut la garder, je crois. Il y a un logo voiture, un logo... Mais ils m'enlèvent de la vie, mais je les vois pas d'ici. Je les vois pas. Ah, et là, mais derrière, il se cache derrière la voiture aussi, ça m'énerve ça. Il se cache derrière. Attends, j'ai pas cette portée, c'est quoi? Attends, faut faire gaffe parce qu'ils vont finir par... Voilà, j'ai plus de vie, j'attends un petit peu. On va se cacher un petit peu quand même. Voilà, j'ai plus de vie, donc je vais attendre un petit peu. Bon, vous savez ce que je vais faire? Je vais faire ça alors. C'est dans inventaire, en cas... Non, on veut pas. En cas... Voilà, un petit peu dans le cas, t'avais pas de mal. Voilà, lui, il est mort. Lui, il est mort aussi. Il y en a un derrière la voiture, non? Je crois. Oula. Il y en a un là. Il y en a un là. Oula, ma vie... Ça va, il me reste encore 2-3 je crois, mais... Il y en a là. Oh, ça y est. Stylé. Prends la caisse et se barre. Ah, on va prendre ma belle caisse là pour le poursuivre. Faut voler la caisse, ok. Voilà, voler. C'est parti. Vous devriez y arriver. Tu sais quoi? Non, ça va bien la voiture plutôt qu'autre chose, du coup on va éviter. Oh non. Voilà. On va prendre ça. Et vas-y, le camion qui se met là. Voilà. Ça c'est fait. Attends, il me saoule le. Attends, je vais me cacher là ce point. Bon, j'ai plus du tout de vie. J'ai failli crever là. Bon, c'est pas grave. Tant que j'ai la voiture, c'est le principal. Voilà, on a de la musique, ça devient un peu chiant. Alors. Ah déjà, de quoi il faut juste faire ça, non? La ramener à l'agence et c'est fini. Non, mais c'est trop facile. C'est pas possible. Il y a encore des ennemis là qui sont là. Mais en vrai, non, elle est quand même belle, sinon elle est pas des dieux, ça va. Ça c'est une lowrider jaune là. Non, il n'y a pas de klaxon. Ah si.
Ok. Une belle caisse là comme ça. J'aime bien. Ah, c'est pas mal. Enfin, dans le genre caisse américaine, c'est beau quand même. Ça va. Ah merde. Bref. Donc là, bah voilà. Alors si c'est juste ça la mission, c'est très rapide quand même. Hein. C'est étonnant d'ailleurs. Mais c'est bien. Voilà. Voilà. Ah ouais, c'est... Je crois que c'est déjà fini. Voilà, c'est une mission très facile. Donc, tant mieux. Et maintenant, il n'y a plus qu'à débloquer maintenant la mission de contrat. Enfin non, les missions, le contrat de Dr. Dragon, on va dire, dans les trucs d'enregistrement, et ça va être pas mal. Pour l'instant, un bonus dans le sens de 100 000 dollars. Autant que j'ai pas 1 000 000 $ normalement. Alors. Ok. 100 000. Enquête terminée sur les 3 fuites de données. Franklin vous contactera bientôt. D'accord. Donc pour l'instant, j'ai rien à. Pour l'instant, j'ai rien. Le bonus de 100 000 dollars habituel. Mais alors, j'ai pas compris cette histoire de 1 million en fait. Enfin voilà. J'ai pas compris. C'est vu le début des trois contrats, je vois écrit 1 million. Et je l'ai pas gagné au premier, je l'ai pas gagné au deuxième, et je l'ai pas toujours pas gagné au troisième. Alors quelqu'un, est-ce que quelqu'un dans le commentaire saurait me dire pourquoi c'est écrit 1 million de dollars que je suis censé gagner et que bah c'est écrit mais qu'on le gagne jamais. Quelqu'un pourrait m'expliquer bah alors ce que c'est, enfin bref, dans les commentaires. C'est un peu bizarre. En tout cas bah, je vous laisse là-dessus, on se retrouve dans une prochaine vidéo normalement pour la suite des contrats dans les studios cette fois. Et moi je vous dis salut à tous, c'était l'ExoGT. Oh shit, right on time. Hey, get over here. Hey, figured I'd stop by, see how we're doing. This is my friend. No, man. This motherfucker right here, get shit done. Hey, Frizzle, man, look what I found. That motherfucker chop went halfway through the stash before he got too high to eat the rest, man. Oh, Drooly, my motherfucker got my shit all wet and shit. Oh, snap. What's happening, dog? I'm Lamar Davis. I'm sure my colleagues have told you about me. Stop. You know what I'm saying? Hold the fuck up, nigga. Okay, well, let me explain. You see this? I'm bringing San Andreas' economy back one blunt at a time. Nah, nigga. Lamar, can't this shit wait? Okay. My bad, dog. I mean, work first. You know how I get down, though. Hey, look. Shit. Man, Imani found some copies of shit or something, and she trying to trace them back to square one. It looks like it all starts with this guy, Jonathan Henderson. You know him? Johnny fucking Guns? I should have fucking known. He looks like a bitch. Yeah, a real bitch. But Dre, this isn't bomb right here, man, and I wanted to introduce you. So you mean all this shit right here was over that West Lost Record blow-up deal? This motherfucker right here has been pissed off at me over some stupid royalty shit since the 90s. But I promise you, he'll be back over here with his hand out real soon. We ready as a motherfucker on the set. I got you. Hey, you know what? Hey, baby, let's get the fuck out of here. I gotta make a call. Man, I guess this shit ain't over, huh? Man, why you keep cock-blocking me, man? I'm trying to win. Man, you need to motherfucking chill. Shut up. The fuck you mean with her? You know and I know what the fuck this is. Where's my fucking music? Don't fucking deny it, nigga. Hold up. Hey, man, we gonna look, dude. When we find out that Johnny shit, man, we gonna get back to you, all right? We got you. If you got any fucking sense of self-preservation, you get my shit back to me today. Today, motherfucker. You know what? I need to calm down. My blood pressure's going up. Let's go, baby. Man, you know the fuck that. Voilà, excusez-moi un petit peu pour le gros mot au début parce que je m'attendais pas. Dernier moment, j'ai dû réenregistrer et remettre mon casque, voilà, pour que. Là, j'entre dans mon bureau, je vois ça, je ne m'attendais pas du tout la cinématique, donc voilà.